Je suis Ming Ming Du, Wang Ming Ming. Je travaille pour le groupe Richemont en tant que China Affairs and Strategic Director. Effectivement, je suis là depuis le début de la création de China Business Club, quand Harold a lancé il y a presque 10 ans, et je suis d'emblée été séduite et committed à participer aux activités de cette du club. Je trouve que c'est un très bon pont entre la Chine, le monde chinois et la France, finalement en plus large le monde occidental, pas uniquement au niveau business, c'est aussi au niveau culturel, au niveau philosophique, au niveau simplement d'échanges humains. Et étant ou ayant le privilège de faire partie dès le début de ce club, j'ai eu le privilège de témoigner et d'être encore une fois le témoin de cette évolution. C'est formidable de voir d'événement en événement comment China Business Club a gagné en profondeur, en envergure, en cette inclusivité, le monde des deux côtés. Et je suis encore une fois ravie que, de voir que c'est une belle évolution qui va encore continuer à grandir. Aujourd'hui, en 3 mots, j'ai envie de dire la joie, parce que c'est la joie de se retrouver. Quelque chose d'extrêmement joyeux. C'est le premier mot qui me vient à l'esprit. Le deuxième, c'est une envie de se comprendre encore davantage. C'est Huawei qui était là. Et Huawei, je sais que on est entre amis, comme disaient nos amis chinois. Donc, l'ambiance était plus détendue. Et j'ai senti cette envie de la part des entreprises étrangères, occidentales ou françaises, de vouloir comprendre qui est Huawei. On sait que technologiquement parlant, l'entreprise est en avance. Et je sais que le CEO de Huawei France a dit, voilà, c'est environnemental aussi, parce que la technologie 5G est plus environnementale que 4G. Alors, il y a effectivement peut-être une petite idée au fond, un peu cachée, qui est de dire, finalement, est-ce qu'on peut savoir comment Huawei traite les big data, par exemple. Et donc, malgré ces petites pensées, ces petits questionnements, il y a une ambiance extrêmement amicale qui émane de cet événement. Et parce qu'on a envie de se mieux comprendre, on veut être amical avant tout. Donc, le deuxième mot. Un troisième, c'est... on est impatient de continuer avec un autre événement. Merci Diane.